Encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce soir. La réhabilitation des routes de la capitale, sans exception aucune, a débuté la semaine dernière pendant les perturbations de la circulation inévitables, d'après les explications du gouverneur de la région d'Analamang. La région d'Analamang a changé de stratégie concernant la réhabilitation des routes, car celle appliquée auparavant était inefficace, selon toujours les explications. Les clandestins qui s'apprêtaient à débarquer à Mayotte le 12 mars ont été rassemblés dans trois endroits différents avant d'être victimes de ce naufrage dans l'océan Indien, près d'Ankazumbourne et de Nusfal, selon le directeur général de la PMF. Parmi les naufragés figuraient des natifs d'Antiranan, de Domasen, de Madang, mais surtout des locaux. L'octroi des branches Mambour dans le cadre de l'amélioration du taux d'accès à l'électricité en faveur des ménages vulnérables à Madagascar doit débuter à la fin du mois d'avril, a ordonné ce jour le ministre de l'Énergie. Le recensement des bénéficiaires, 200 000 au total, doit être accéléré. Pour terminer, à l'étranger, un manifestant a été tué lundi 20 mars par la police dans l'ouest du Kenya lors d'une journée d'affrontement entre les forces de l'ordre et partisans de l'opposition, qui a appelé à de nouvelles mobilisations hebdomadaires contre l'inflation et le gouvernement. La réhabilitation des routes de la capitale a débuté la semaine dernière, rendant les perturbations de la circulation inévitables. D'après les explications du gouverneur de la région d'Analamang, la région d'Analamang a révisé sa stratégie en matière de réhabilitation des routes, car celle appliquée auparavant s'est révélée inefficace selon toujours les explications. La présidence de la République, le ministère des Travaux publics et la région d'Analamang ont pris conjointement en main la réhabilitation des routes de la capitale. Récit de Zour Abarzoun sur les images de Ruth Anjem Bloulmanzatou. Il faut faire preuve de patience si l'on veut avoir de belles routes, dit le gouverneur de la région d'Analamang. Et ce n'est pas pour minimiser les perturbations et les embouteillages provoqués par la réhabilitation de toutes les routes de la capitale, d'après le gouverneur de la région d'Analamang, Erasu Marmak. La dégradation des routes du chef-lieu de la région d'Analamang avait suscité le profond mécontentement des usagers. Dégâts sur les véhicules et embouteillages monstres étaient le lot des automobilistes d'Antananarivo face aux trous énormes sur presque toutes les routes de la capitale. Raison pour laquelle a été décidée leur réhabilitation immédiate, a souligné Erasu Marmak. Pendant la durée de la réhabilitation, des panneaux de signalisation seront placés à proximité des portions de route concernées pour informer et guider les usagers de la route afin d'atténuer les gênes occasionnés par les réparations. Certains des travaux se feront de nuit. À titre de rappel, les députés élus dans la capitale ont mis la main à la pâte en procédant aux préparations des fortunes des routes dans leur arrondissement. Actuellement, c'est la réhabilitation des routes d'Ambudnisuch, d'Akazumang, d'Akadumbaouk, de Tsaralalang, des 67 hectares au niveau du Sénam qui a commencé depuis la semaine dernière. La région d'Analamang a changé de stratégie en ce qui concerne la réhabilitation, car les anciennes méthodes n'ont pas fait leur preuve, causant la dégradation rapide de toutes les routes, toujours selon le gouverneur d'Analamang. Cette réhabilitation actuelle des routes de la capitale est le fruit de la collaboration entre la présidence de la République, le ministère des Travaux publics et la région d'Analamang. Les clandestins qui s'apprêtaient à débarquer à Mayotte le 12 mars ont été rassemblés dans trois endroits différents avant d'être victimes dans ce naufrage dans l'océan Indien, près d'Ankazumbourne et de Nusifal, selon le directeur général de la PMF. Parmi les naufragés figuraient des natifs d'Antiranan, de Thomasen, de Madzang, mais surtout des habitants même d'Ankazumbourne et de Nusifal. Les responsables de cette catastrophe maritime n'ont pas encore été
été appréhendée et l'enquête se poursuit. L'organisation de la recherche des malfaiteurs s'avère difficile et doit être renforcée, notamment à travers la diffusion des informations via les médias, selon les informations. Gracia Angia Titovirn. Ne pas chercher d'excuses ni fuir ses responsabilités suite au drame en pleine mer du côté d'Akazumbourne de Nousfal qui a fait des victimes parmi les candidats à l'immigration clandestine vers Mayotte. Il faut plutôt faire sa part des choses, c'est l'attitude adoptée par Jean-Edmond Rengianatenen, directeur général de l'Agence portuaire, maritime et fluviale ou APMF. En ce qui concerne la sécurité portuaire et la sûreté de la navigation, les rôles de la PMF consistent à surveiller et contrôler les départs avant embarquement et les arrivées après débarquement dans les 18 ports officiels du pays, dont 7 ont les qualifications internationales. Quand ces filtres deviennent imperméables, les actes illicites se font ailleurs, d'autant plus que Madagascar compte 5000 km de côte. Une vigilance accrue permettra de remédier à de telles situations. En effet, cette tentative d'envoi de passagers vers l'extérieur, par voie maritime, d'une manière frauduleuse, ont échoué. Elles ont été soit arrêtées, soit interceptées, soutient-il. Il a quand même admis que les aspects sociaux et économiques dans ces tragédies ne sont pas à négliger. La recherche d'un mieux-être sous d'autres cieux, le refus de l'octroi d'un visa par la voie légale sont autant de raisons pour tenter l'aventure, qui tourne souvent à la déconfiture. Mais pour une meilleure efficacité dans cette lutte de longue haleine, Jean-Edmond Rengianatenen suggère une collecte et une exploitation des renseignements entre les entités concernées, comme la police et la gendarmerie nationale, pour la sécurisation à l'intérieur du pays, l'administration douanière concernant les transactions commerciales, le centre de surveillance de pêche pour ce qui relève de ses compétences, la synergie des actions entre ces diverses entités peut garantir une réussite dans ce conflit contre une organisation criminelle bien rodée. Nous avons su, par exemple, que les malheureuses victimes d'Akazumbourne ont été rassemblées dans 3 endroits différents avec 3 dates d'embarcation avant le départ fatal. Les enquêtes se poursuivent avec 2 suspects, le propriétaire de la vedette rapide et le skipper aux manettes au moment du naufrage mortel. Et l'octroi des branchements mours dans le cadre de l'amélioration du taux d'accès à l'électricité en faveur des ménages vulnérables à Madagascar doit débuter à la fin du mois d'avril, a ordonné ce jour le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Le recensement des bénéficiaires, 200 000 au total, doit être accéléré. En effet, ce projet tend à lutter contre les branchements parasites qui prolifèrent, vampirisant la Djirama actuellement. Toutes les dépenses d'investissement de la Jiramaya afférente seront assurées par ses partenaires dans la Banque mondiale avec une dotation en camion pour accélérer le transport des kits et compteurs dans la réalisation du projet Branchement Bourg dans tout le pays. Reportage de Mamti Njimloul sur les images d'Omeka Hanefton. Au total, 200 000 branchements mours sont à réaliser à travers tout le pays. 5 000 kits y afférents sont déjà disponibles. Et le reste est attendu très prochainement. Des demandes remplissant toutes les conditions exigées ont déjà été reçues. En effet, ce projet est destiné aux ménages vulnérables n'ayant pas accès à l'électricité. D'après les explications, les ménages doivent soumettre des demandes auprès des Fouctanes, lesquels vont les transmettre à la Djirama. Une étude de dossier ainsi que des descentes sur terrain sont par la suite programmées afin de pouvoir déterminer si la demande est recevable ou non, selon les précisions. Le ministre de l'Énergie a donc ordonné ce jour que les recensements des bénéficiaires soient accélérés. L'octroi des branchements doit débuter dès la fin du mois d'avril 2023. De nouvelles stratégies incitant les populations vulnérables à y souscrire seront mises en place, a-t-il souligné. En outre, le plafonnement des consommations prévues initialement à travers le branchement mour est à reconsidérer. La Djirama prévoit d'obtenir incessamment tous les équipements nécessaires au démarrage du projet, dans la mesure où les investissements dans ce sens sont assurés par les partenaires techniques et financiers, dans la Banque mondiale à travers le projet LEED, où l'amélioration et l'extension des réseaux électriques a des coûts plus compétitifs. À part le branchement MOUR, le projet appuiera également l'électrification des centres de santé de base à travers l'île.
56 SB ont déjà accès à l'électricité sur les 500 existants. Aussi, pour faciliter la réalisation de ces activités, le projet a doté la Dirama de 50 camions. Ces véhicules seront déployés dans toutes les régions d'implantation de la Dirama et les 14 agences à Antananarivo et celles de ses périphéries recevront les leurs. Ils permettront d'accélérer le transport des kits et compteurs pour la réalisation du projet Branchement Mour dans tout le pays, de transporter les équipements utilisés pour les activités d'amélioration et d'extension des réseaux, d'appuyer la Dirama pour pallier l'insuffisance des moyens de transport dans le cadre de la réalisation des interventions d'urgence liées au secteur électricité et eau d'après les explications. L'équipement de la Dirama dans la réalisation de ces projets est inclus dans les financements. Les forêts sont extrêmement bénéfiques pour notre santé. Elles purifient l'eau et l'air, captent le dioxyde de carbone, nous offrent nourriture et médicaments et améliorent notre bien-être, entre autres, de même que les forêts et les arbres gérés de manière durable, protégés et restaurés sont essentiels à l'adaptation et à la résilience face au changement climatique. Le thème de la Journée internationale des forêts de cette année 2023 porte sur les forêts et la santé. À part la manifestation de haut niveau qui réunira du beau monde à Turin en Italie, cette journée a été célébrée officiellement à Madagascar par la plantation de plants de bambou à Manankaz, à Ankazbe, ainsi que par l'entretien des sites de reboisement. Les détails avec Nzakan Djemayeri. Le 20 mars a été proclamé Journée internationale des forêts en 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette année, la journée a pour thème les forêts et la santé et pour slogan « Des forêts saines pour des populations en bonne santé ». La santé des forêts est essentielle à tous les aspects de la santé de la planète, des moyens de subsistance à la nutrition, en passant par la biodiversité et l'environnement, gérés de manière durable. Les forêts continuent de fournir des biens et des services à l'heure actuelle et pour les générations futures. Pour célébrer l'importance des forêts et réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, organise aujourd'hui à Turin une manifestation de haut niveau qui réunira des ministres, des experts et de jeunes militants du monde entier. La ville de Turin, qui a raflé cette année le prix Ville Verte a octroyé par la FAO, en plantant 20 000 arbustes sur les 50 000 arbres que compte la ville. L'objectif général de la journée est de souligner le rôle important que jouent les forêts dans la santé de l'environnement et les différentes manières dont elles contribuent à la santé des sociétés. Les arbres des villes contribuent à atténuer la pollution de l'air, offrent des avantages en matière de refroidissement et procure une résilience aux communautés urbaines. Les forêts sont aussi touchées par différents phénomènes et menaces, notamment le changement climatique, les pressions que les humains exercent sur les ressources, les incendies de forêt, les proliférations d'insectes, les maladies, la sécheresse, les dégâts causés par la tempête, les inondations et les glissements de terrain. La célébration officielle de la Journée internationale des forêts à Madagascar s'est déroulé ce jour à Manankaz, à Ankazbe. Une plantation de pousses de bambou le long des rivières, de même que l'entretien des sites de reboisement ont eu lieu durant l'événement. Dans le reste des actualités, l'une des difficultés rencontrées par les parents d'enfants handicapés, en particulier les enfants trisomiques, est la complexité des soins dont ils doivent bénéficier. En effet, les personnes souffrant de ce genre de handicap ont besoin de soins particuliers et d'être surveillées étroitement. Pourtant, le gouvernement, jusqu'à présent, n'a pris aucune initiative pour aider ces personnes ou encore celles qui se chargent d'elles, à part quelques manifestations pendant les jours de fête, d'après un organisme qui s'occupe des enfants atteints de trisomie 21. Aujourd'hui, 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Beaucoup de gens prennent encore les enfants trisomiques pour des aliénés, mais la trisomie 21 est en fait une maladie génétique non héréditaire. Pour atténuer les préjugés et les rejets, une présentation sur la maladie de la trisomie 21 a eu lieu au parvis d'Anarakeil ce jour.
Actualité sportive, les joueurs qui ont été appelés à former l'équipe nationale malgache dans le cadre des phases de qualification à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations de football, s'investissent pleinement dans leur entraînement. Ils préparent le match aller contre la Centrafrique en temps pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN qui se déroulera au stade Baréa de Mamas, à Madagascar, ce jeudi 23 mars à 16h. Certains parmi les joueurs expatriés ne sont prévus arriver qu'aujourd'hui, selon les informations. Les détails avec Romy Armanan et Omikara Nevson. À deux jours du match aller contre la Centrafrique, l'entraînement de l'équipe nationale malgache se poursuit au stade Baré de Madagascar. Des séances d'entraînement qui ont commencé dimanche et qui se poursuivent tous les jours, et cela jusqu'à la veille du match prévu pour jeudi prochain. Presque tous les joueurs expatriés qui ont été appelés à former les Barés sont arrivés, y compris Julio, Donis, Hakim Abdallah, Zoutsar, Kouloun, Amada et Melvin, et ils se sont déjà entraînés avec les joueurs locaux. Par contre, Lapoussin, Ryan, Kenji, Silvio, Ndiv, Morel et Dorian sont toujours attendus. Marco Ilaimart, lui, ne sera pas du tout de la partie. Pour cette rencontre entre Madagascar et la Centrafrique, les Barias sont relativement avantagés contre le match aller se joue à domicile, tandis que le match retour aura lieu au Cameroun. La Centrafrique ne disposant pas encore de stade aux normes de la CAF. Et maintenant, place aux actualités internationales. Un manifestant a été tué lundi 20 mars par la police dans l'ouest du Kenya lors d'une journée d'affrontement entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition qui a appelé à de nouvelles mobilisations hebdomadaires contre l'inflation et le gouvernement. France 24. Tout au long de la journée, les affrontements se sont multipliés entre les partisans de Raila Odinga et la police, empêchant tout réel rassemblement dans le centre de Nairobi. La tension était à son maximum lorsque Raila Odinga a tenté de s'exprimer et qu'il en a été empêché par des tirs de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Raila Odinga a annoncé que cette journée n'était que le début des manifestations et beaucoup de ses soutiens ont annoncé qu'ils le suivraient. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Nous n'acceptons plus cette situation. Nous soutenons Raila Odinga avant tout et sommes prêts à passer la nuit ici. Je suis venu manifester à cause de la situation économique de notre pays. Nous n'arrivons même plus à acheter un paquet de farine. Les prix ont maintenant doublé. Nous devons nous occuper de notre famille, payer un loyer et plein d'autres choses. Nous ne pouvons pas permettre à la police de nous tirer dessus avec des grenades lacrymogènes et nous empêcher de manifester. S'ils nous tirent dessus, nous serons obligés de riposter. Malgré plusieurs tentatives, Raila Odinga n'a pas réussi à se rendre dans le centre de Nairobi. L'opposant s'est donc rendu à Matare, un bidonville de la capitale qui est l'un de ses bastions. Il a appelé ses partisans à se retrouver tous les lundis pour une grève illimitée jusqu'à ce que les Kenyans obtiennent leurs droits. À Kisumu, dans l'ouest du pays, un autre bastion de Raila Odinga, la situation était également tendue. Les locaux du parti de William Ruto ont été... C'est la fin de cette édition, mais l'information continue sur TV Plus Madagascar dans le journal en version malgache à 19h30. Je vous retrouve à tout de suite.